déterminés, solidaires, les deux hommes se surpassent. Aucun obstacle ne semble pouvoir leur résister. Tu viens? Au terme du parcours, Pascal leur réserve une dernière surprise. Oui. Oh, champion! Sandra est venue les féliciter. Tous semblent heureux de se retrouver. T'as d'amour. Oh, Jonas. Oh là là, tu prends mon doigt. Alors, au moment de l'arrivée, le rafting, ça a été sensationnel parce qu'en fait, je les ai vus tous les deux sourire. Et ça faisait longtemps que je les avais pas vus sourire en même temps. Quand on arrive sur la berge, bah, déjà, on est heureux, on se félicite. Tous parce qu'on a passé un agréable moment magique. D'ailleurs, j'ai aimé l'accueil de ma femme. C'était super sympa parce qu'elle vient vers nous. Trop froid, ça s'est bien passé et tout. Mon bébé. Pour terminer la journée en beauté, Pascal leur a réservé un dernier défi. Et non des moindres. Entre montagne et forêt à perte de vue, c'est sur la rivière de la Libye, au cœur du massif central, que va se dérouler cette ultime épreuve. Pour affronter ces rapides qui s'étendent sur 72 km, chacun doit enfiler une tenue de combat. Sur le trajet, de nombreux obstacles les attendent. Jonas, viens Jonas. Jonas, viens. Et là on nous demande. Bébé. Je vais avoir une réaction, je dis mais pourquoi elle est là dans la première bâche, cette petite dame? Elle est charmante comme tout, elle se fait maquiller. Viens. Que vous soyez dans l'album, oui. Quand on s'est maquillé, on s'est fait maquiller, c'était un peu bien.